Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue en direct comme chaque vendredi en fin de journée. On vous fait un tour d'horizon de vos sorties pour ce week-end dans les pays de Savoie. Vous avez pris l'habitude, n'hésitez pas aussi à envoyer vos événements sur notre messagerie Facebook avec plein de bons événements à venir ce week-end en Savoie, en Haute-Savoie et aussi des fois dans l'Ain que vous nous envoyez régulièrement. On va donc commencer par ces événements dans les pays de Savoie avec la grande fête à ne pas manquer, c'est bien sûr celle de demain, ça sera le retour des alpages du côté d'Annecy, un très très gros événement pour cette édition 2019. Comme chaque année, dès le matin à 6h, les stands seront donc installés un peu partout dans les rues d'Annecy. Donc c'est un rendez-vous à ne surtout pas louper. Donc rendez-vous donc du côté d'Annecy pour ce gros événement du retour des alpages avec le défilé notamment l'après-midi qui commencera à partir de 14h30. Je vous propose de retrouver justement quelques images de l'an passé justement sur cet événement donc dans Annecy. Voilà, regardez avec les moutons filmés l'année dernière. Je vous laisse apprécier ces très belles images. Voilà avec ces belles images donc ici. Voilà, avec les vaches aussi hein, qui défilaient l'année dernière. Ouais, donc sur ces images, hein, je vous rappelle de l'an passé. Et cette année, il y aura autant de monde est attendu dans l'ensemble des rues d'Annecy. Donc les rues seront très très bombé de monde donc dès demain matin et surtout l'après-midi avec le défilé qui aura lieu donc à partir de 14h30 dans l'ensemble des rues d'Annecy avec le point de départ de la rue Saint-Clair. Donc c'est le point de départ, vous voyez, avec les chèvres aussi qui seront parmi les oies, vous aurez de tout avec aussi les costumes folkloriques de nos traditions. Voilà, c'est un beau événement donc à ne surtout pas manquer. Donc dès demain dans les rues d'Annecy, on sera présent bien entendu sur place pour vous faire vivre ce grand défilé qui va durer pratiquement une heure hein, si on se trompe pas, plus d'une heure de défilé dans les rues. Donc on sera au cœur du défilé avec beaucoup d'interviews avec Jean-Noël de Paris qui sera en ma compagnie donc dès demain après-midi pour vous faire vivre donc ce super beau événement. Donc dans les rues d'Annecy, voilà, avec ces images donc de l'an passé. Voilà, avec les vaches et puis leurs fleurs, bien entendu, qui sont toujours réunies, comme chaque année, avec ces images donc de l'année dernière, qu'on voulait vous faire partager. Donc aujourd'hui, dans cet agenda, donc c'est vraiment le très gros événement de ce week-end. On sera mobilisé, bien sûr, demain. Donc, soyez à l'heure sur notre page Facebook pour suivre cet événement. Voilà, avec les vaches et leurs cloches, très très important. Voilà, on voit déjà le monde qu'il y avait l'an passé. Et voilà, ça sera pareil dès demain. Avec les grandes fêtes qui vont commencer très tôt, demain matin dès 8h avec les exposants bien entendu. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà des images de yachtsavoie.fr. Voilà, on va continuer avec d'autres événements à ne surtout pas manquer donc dès demain, donc là, le retour des alpages. D'autres événements aussi dans notre région avec cette fois-ci un rendez-vous à ne pas manquer, ça sera demain et dimanche avec le 34e rallye de régional. Ça sera donc du côté des Bauges, ça a lieu donc ce samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre. Donc un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les amateurs de belles voitures, de voitures de sport surtout. Donc n'hésitez pas donc à vous rendre sur place donc du côté des Bauges. Ça sera demain et dimanche pour le 34e rallye. Donc savourer sans modération.
On continue avec d'autres événements à ne pas manquer avec le village d'hiver justement de la montagne qui sera présent demain dans les rues d'Annecy à l'occasion du retour des alpages. Ça sera de 9h à 18h sur le quai de Vicenza en face de la brasserie du Munich. Ils seront présents, venez boire un petit coup, manger un petit morceau. Ils seront donc présents demain pour ce rendez-vous, donc le village d'hiver de la Montagnette. C'est donc demain, samedi, pendant le retour des alpages de 9h à 18h. On va à ce côté de Beaufort avec le 23e salon du goût du Beaufort. Ça sera ce samedi et dimanche en restauration, dégustation et vente aussi. Plus de 40 sites remarquables du goût. L'entrée est de 9h jusqu'à 19h. Donc profitez-en pour faire un petit tour soit demain, soit dimanche. Ça sera donc du côté de Beaufort. Donc c'est un bel événement aussi pour goûter, pourquoi pas, tous nos bons fromages de notre région. Donc rendez-vous donc ce week-end du côté de Beaufort. Le salon du chocolat pour les amateurs de chocolat, et ben ça sera du côté d'Aix-les-Bains en Savoie et des gourmandises. Ça sera notamment pendant 2 jours, donc vous avez le choix soit demain, soit dimanche. Samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 19h, 100% artisanal. Le salon du chocolat, alors là vous allez vous régaler. Les meilleurs talents gourmands de la région sont réunis pendant ces 2 jours. Ça sera au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. C'est donc durant ce week-end, samedi et dimanche. D'autres événements à ne pas manquer avec la fête de la courge du côté du plateau d'Assy. Ça sera demain à partir de 15h avec animation, jeux, crêpes et plein de choses, bonnes choses à découvrir. Et puis dès 20h, il y aura aussi un concert donc à ne pas manquer du groupe Caman d'Abodou. Et puis encore plein d'autres concerts. On vous en dit pas plus, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc le fête de la courge, c'est donc demain au plateau d'Assy, donc à partir de 15h et jusqu'à tard dans la soirée. Deux événements aussi avec Aise, la fête des vendanges du côté de Aise, ça sera demain. Alors la fête, oui, c'est le moment des vendanges en ce mois d'octobre, avec à partir de 16h le défilé de chars au départ du stade de football. Et puis à 18h, vous aurez un apéritif et repas savoyard au Clos Chabou. Donc c'est l'organisation de l'Amitié qui organise ça pour cette 10e saison du côté de Aise, donc pour cette fête des vendanges. Et puis aussi pour ceux qui sont amateurs de bière, cette fois-ci, ça sera la fête de la pierre demain samedi, 12 octobre à partir de 17h. Le repas sur place donc est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc pour ceux qui aiment donc justement la fête de la pierre, eh ben profitez-en, ça sera du côté de M la Plagne. Donc un bel événement donc pour les amoureux de la bière. Attention, avec consommer avec modération bien entendu. Allez, d'autres événements avec notre fête de la bière aussi demain. Ça sera la salle de Montgrabel au Marche, c'est en Savoie, à partir de 17h. Et en plus, l'entrée est gratuite avec un DJ, déco et restauration. 16 sortes de bière à déguster avec modération, bien entendu. Hein. Faites attention à vous. Donc, c'est demain du côté au Marche, c'est pour la fête de la bière, donc à partir de 17h. Donc, pour les amateurs de bière encore. D'autres événements à ne pas manquer, c'est demain aussi avec la soirée Rallye des Bauges. Justement après la course, eh ben, ils vous invitent à danser, pourquoi pas, avec DJ D16, All Style, des cadeaux on the night, comme on dit, Joker Club, discothèque, donc qui vous accueille pour du côté des Bauges pour faire la fête après ce Rallye des Bauges qui a lieu durant ce week-end. C'est donc demain soir pour ce week-end du Rallye des Bauges. D'autres événements à ne pas manquer, cette fois-ci avec la Grande Braderie, ça c'est tout autre chose, ça sera du côté d'Albertville en Savoie, ça sera ce dimanche, avec plein d'exposants qui seront réunis dans l'ensemble des rues d'Albertville. Pour les amateurs donc de bonnes choses, et ben là vous serez servis partout, il y aura un peu de tout. Donc rendez-vous donc ce dimanche 13 octobre pour la Grande Braderie d'Albertville, donc en Savoie. Allez, un peu de fête de la pomme du côté de Saint-Paul en Chablais. Donc ça sera ce dimanche à partir de 9h. Fête de la pomme pour cette 18e édition. Produit du terroir avec cidre, pomme, poire, jus de pomme, fromage et aussi notamment beignets et charcuterie. De nombreux stands et animations présents. Donc un repas animé par Air Mix à la nouvelle salle des fêtes. Donc justement de la gavotine. Donc tartiflette et tarte aux pommes. Donc pas mal de bonnes choses à déguster sur place pour cette fête de la pomme, c'est donc dimanche dès 9h à Saint-Paul en Chablais.
On va du côté de la Suisse aussi avec une transhumance. Vous avez pu vivre une transhumance justement sur notre page Facebook. C'était samedi dernier du côté des Aravis. Et ben là, rendez-vous du côté de Crans-Montana pour le défilé du troupeau dans les rues de Crans-Montana. Ça a lieu donc de demain samedi. Donc pour ceux qui aiment bien la Suisse, et ben n'hésitez pas à vous rendre sur place pour cette transhumance. Et bien sûr, en pleine saison, c'est le moment d'y aller. Et puis cette fois-ci pour une rando rose, justement pour le Octobre Rose, ça a lieu ce dimanche, c'est la rando rose, donc un rendez-vous à ne pas manquer au Val d'Abondance, pour ceux qui veulent faire participer à cet élan de générosité pour lutte contre le cancer du sein. Et ben ça a lieu donc ce dimanche 13 octobre, donc c'est la rando rose comme chaque année du côté de Val d'Abondance. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook abondancetourisme.com pour plus d'informations. Tout autre chose avec cette fois-ci la course des garçons de café qui a lieu du côté de Chambéry en Savoie ce samedi 12 octobre à partir de 15h30 devant l'hôtel de ville de Chambéry. Je vous propose justement de regarder leur petite bande-annonce qu'ils ont organisée pour cette fête du course des garçons de café. Regardez. Voilà, la course des garçons de café donc, qui a lieu à Chambéry demain dès 15h30 devant l'hôtel de ville en Savoie, donc à Chambéry. Voilà, c'est la fin de cet agenda de ce week-end. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous rappelle quand même le gros événement à ne pas louper sur notre page Facebook. C'est bien sûr le retour des alpages d'Annecy dès demain à partir de 14h30 dans les rues d'Annecy. Puis aussi le matin pour aller visiter les différents stands dans l'ensemble des rues donc de la capitale au Savoyard. Donc un bon événement à ne pas manquer avec ces images que vous allez suivre donc dès demain sur notre page Facebook. Voilà, donc ces images de l'année dernière. Voilà, donc un bel événement à ne surtout pas louper donc du côté d'Annecy pour ce retour des alpages. Un bel événement en plus en annonce du grand soleil. Donc demain dès 14h30 en live sur notre page Facebook pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre sur Annecy. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain, bien entendu, pour un prochain agenda. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos événements sur notre messagerie Facebook qui en bas, comme s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas, donc c'est gratuit. C'est votre rubrique. Donc si vous êtes peut-être commune ou peut-être artisan ou autre, n'hésitez pas à nous envoyer donc vos événements. On fera un plaisir de vous retrouver. Et puis on va vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre comme chaque vendredi et être aussi de plus en plus nombreux sur notre page Facebook, plus de 288 000 abonnés. Merci à vous tous. Voilà, allez, on se quitte avec nos plus belles chansons de montagne. Une belle journée en montagne. Et ben là, on se quitte sur cette belle musique. Merci à vous tous. Et on se retrouve vendredi prochain, et puis ou sinon demain, dans les rues d'Annecy, à partir de 14h30 en live sur notre page Facebook pour suivre le retour des alpages d'Annecy. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook pour nous suivre. On sera donc dans les rues d'Annecy demain avec Jean-Noël de Paris. Merci à vous tous, excellent week-end, à bientôt.